L'autre jour, je discutais avec un de mes chums puis qui me disait qu'elle allait faire le tour de la Gaspésie. Il me disait que lui, il préférait passer par le sud parce que la mer était tout le temps côté passager. Fait qu'il avait juste à se tasser puis profiter du rivage. Mais moi, je préfère passer par le nord pour ça. Je viens de débarquer sur l'île Bonaventure. On va aller randonner ça. Mais à se rendre ici, c'est une petite croisière obligée. Si on ne veut pas partir à 8h45, on fait le tour de l'île, ils nous expliquent tous les oiseaux. Puis il y a déjà eu du monde sur l'île, fait qu'ils nous expliquent un peu l'origine de tout ça. Mais on n'est pas ça. On n'est pas sur le plancher des vaches. Il y a du monde. Fait que c'est un peu éprouvant. Ça se passe quand même pas pire, là, mais. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort où, ce que, comme d'habitude, je choisis ce que je veux. Là, une petite raille qui brasse, pas de mal de mer, là. J'adore faire du bateau. Sauf que ce que j'aurais voulu faire, c'est y aller direct à 11h, pas à 8h45, où ce que je dormais encore. Fait que... Ça a l'air d'être une belle petite place à faire, ça, par exemple. Là, j'ai pris justement un sentier où ce que personne n'a de l'air à vouloir emprunter. Question d'avoir un peu la paix. Même si je suis pas un sauvage. On dirait que j'aime ça être dans ma bulle quand que je randonne. La nature, on dirait, ça m'apporte la quiétude. Quand il y a trop de monde, j'ai l'impression que je suis dans le centre-ville d'une grosse ville, là. Dans le bois, moi, habituellement, c'est moi, les épinettes, 3-4 oiseaux, un chevreuil, un petit jove qui se promènerait par là. Si ma blonde elle serait là, ça serait parfait. Mais, elle est à la maison, elle travaille. Moi, je suis en vacances, j'en profite. Fait qu'on fait le tour. Ça sur l'île. Yeah. Ceux qui voudraient profiter de cette vue-là, ça se trouve être sur l'île Bonaventure. Moi, j'ai fait le tour de l'île, j'ai passé par les mousses. Ça fait que c'est un circuit qui monte, puis après ça, en passant par le chemin des rois, ça redescend. Ça a été conseillé par l'accueil dans le fond du parc. C'est beaucoup plus facile. Puis on arrive justement là sur le chemin des rois, puis là, on a plein de petites maisons qu'on peut visiter. Il n'y a pas d'animation, là, c'est vraiment visite libre.
j'invite la populace à venir faire un tour à l'île Bonaventure. Fait qu'à nos places où ce qu'il faut arrêter, c'était la microbrasserie Pit Caribou. Puis tant qu'à passer par là, ben il faut absolument arrêter aussi à la vieille usine. Puis aller voir un bon show. Fait qu'il y a déjà une petite vieille qui m'attend à l'intérieur. Ça fait qu'on y va.